Ok, du coup on est parti PK cochon. Donc sort de saut, 3 soins, ok, donc compo plutôt on va dire classique si on veut. Ça peut être cool. Ok, PK à 3h, PK à 9... 6h, 9h, n'importe quoi. Ouais, c'est timé, c'est timé. Il y a toutes les 4 minutes et ça commence à partir de 21. Ok, donc il y a un PK qui tourne tranquille. Il y a un Whis qui va aller gérer le canon. Avec le PK. Les petits cochons pour aller gérer l'Arc-X. Ça, c'est cool. Il a un double poison. Donc un poison pour le CDC et je suppose que l'autre poison, c'est pour des scuds à l'éventuel sur les cochons. Donc le roi qui est bien rentré avec le PK. Ça va prendre l'HDV en plus, donc pas de risque de one. Ok, en plus il prend le tour de sorcier, il va juste laisser cet Arc-X là, c'est pas forcément gênant, il a 3 soins. Faut voir s'il prend beaucoup de ressorts sur ses cochons. Là c'est pas vraiment les bombes qui vont le tuer, c'est plus les ressorts. Il risque d'être dangereux parce que normalement avec 3 soins il a de quoi couvrir. Tranquillou. Hein. Ok, tour à bombe, boum. Il a encore un soin qu'il devrait mettre. Bon ça va perdre ça, tranquille. Hein. Ça va perf tranquille. OP. Salut YoYo. Bonsoir Kazuyan. Bon, du coup, premier perf, c'est cool. En plus, le hit, il est sympa. Les bombes géantes tout au mid. Ouais, après, ça aurait pas changé grand-chose vu que ces cochons étaient constamment sous soin. La partie héros, elle a fait un gros taf. Hein. Après, la base, elle est ouverte. Tu me diras, c'est logique. Bah, après, en soi, tu sais, tu connectes, tu replis ton CDC, tu te déco, tu reviens 20 minutes après. Hein. Non, peut-être pas 20, 15, tu vois. Ça fait 30 minutes, c'est bon. Ok, du coup, on est en zap drag, il y a un speed. En même temps, c'est vrai que je doute que la team de Lilou fasse du Lalo. Donc le speed est pas forcément utile. Hein. Ok, donc le roi qui a été posé. Il va funnel les dragues, je suppose. La petite reine en haut. On va pouvoir aller chercher une entière. Il y a 15 minions. Ça fait beaucoup ça quand même. Ok, ça va aller chercher la reine. Tranquille. Ah oui, le package de ballon là. J'ai pas le temps. Hein. Ça prend les deux propus de dos, donc ça c'est cool. Une entière qui va pas trop gêner, la reine va prendre la dernière, OP. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que le mollas est sorti à cause du roi. Après, il y a un poison, il sert à rien, mais de toute façon, c'est le seul sort qui est autorisé sur les attaques. Ok, les ballons, c'est bien, ils déminent. Par contre le... Oh nice, du coup le poison pour les skulls, ça va être cool. Par contre l'HDV va ralentir les dragues, ça c'est moins cool. Et après tu me diras, il reste que des tours de sorcier et deux tours d'archer. Normalement il reste suffisamment de dragons pour que ça finisse. Hein. Ouais. Le roi risque d'être chiant par contre. Hein. Là il va perdre... Non, il est pas mort lui. Non, il est presque mort mais il prend plus... il se fait plus aggro. Il y en a un qui va mourir là. Bah, le deuxième meurt, tranquille. Ça c'est OP parce que du coup elle a utilisé 3 troupes différentes et 2 sorts. Ce qui en soi est pas énorme. C'est pas mal. Plus tu perds avec un nombre de troupes limité et de sorts limités aussi. Plus t'es tranquille sur les attaques suivantes. Donc c'est OP en vrai. Ok, on est parti. Attaque numéro 2 pour Alpha. AQH Lalo, ok. Bien, pour l'instant. On a vu du PK à cochon, on a vu du drag. Là, on est sur du Lalo avec un AQH. Ah oui, j'ai pas précisé, hein, mais si ça finit sur, à égalité sur. Bah, en gros, si cette war finit égalité,
Ça se jouera au timer, il n'y aura pas de... il n'y a pas de rematch pour ce tour-ci. Les joueurs sont au courant, j'ai fait un message, mais voilà. Ok, la reine qui rentre, elle va pouvoir gérer la reine ennemie tranquille. Il y a des skulls, il y a des petits archers qui sont sortis, pas trop gênant. Par contre, il a déjà cramé le poison, ça peut être éventuellement gênant. Selon ce qui reste, non, c'est bon, ça va quand même prendre le poison. Ah, quoique, la sorcière? La sorcière va peut-être être un peu chiante, il a peut-être mis son poison un peu trop tôt. Allez, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Nickel. OP. Ça va, elle a pas trop gêné la sorcière, heureusement. Ok, il devrait... Ah non, je crois qu'il a raté son open, non? Il voulait ouvrir là, je pense. Bah, va falloir faire sans. De toute façon, il a pas le choix. Ok, il balance le molosse au niveau des Tesla. Ça devrait sortir, voilà, quelques bombes aériennes. Le sort d'orage, faire tomber rapidement les Tesla. La tour de sorcier qui est bien bloquée sur le molosse, c'est cool. L'Arc-X aussi. Il lui reste encore un rage, donc le deuxième rage. Son AQH ne demande pas beaucoup de rage au final. Hein. Donc ça lui en fait pas mal sur l'Halo. Dernier rage au niveau de tour de sorcier. Oula, par contre, ça prend de la bombe. L'Arc-X devrait tomber. La tour d'archer devrait tomber derrière aussi. Et on va encore avoir un perf. Hein. Ah, c'est cool! Et je suis en train de penser que j'ai oublié de faire les prédits. Ah putain, mais je me déteste. Bon, OP. Ok, du coup. Oh bah tiens, PK cochon. Deux sauts de soins, un skull. Ok, il y a les sapeurs. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de sapeurs sur la dernière attaque. Le CDC qui sort sur un PK. Archer, baby et sorcière. Il n'y a pas de limite dans les CDC défensifs. Hein, je précise aussi. On peut tout mettre. Ok, un petit... Oula, le poison. Oula. Il y a un petit raté là sur le poison. Surtout qu'une sorcière contre des PK, c'est assez énervé. Il faudrait moins que le baby meure là. Parce que le sorcier, il est tranquille. Hein. Il va pas mourir sur les skulls. Il y a encore le poison. Il devrait pouvoir se faire la sorcière. Le roi fait demi-tour, c'est un peu dommage. Bon, ok, ça va. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a quand même perdu pas mal de PK. Ouais, il ne reste plus qu'un. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Il y a la capa roi, mais la capa reine, elle va partir également. Ok, elle a mis le soin sur le roi et le PK. Après, en soi, une fois qu'elle a pris l'Arc-X, il reste plus des masses de dégâts. C'est surtout la reine qui risque de gêner. Mais il n'y a pas des masses. Il y a accès au canon, les anti-airs. Oula, elle a tout envoyé en package. Ça peut être risqué de faire ça, à cause des ressorts et des bombes, vu qu'elle n'a pas de sort de soin. Faut voir, hein, mais surtout que, voilà, il y a la tour à bombe qui est là. Les héros ne pourront pas la prendre. Ça peut faire mal, hein. Ça me paraît compliqué cette fin d'attaque parce que là voilà, là... Oh, ça va, il y a eu un... Y a quelques cochons qui sont partis un peu tout seuls. Oh, si les cochons ils prennent une bombe là, ils sont morts. Hein. Moi j'espère pour elle qu'il n'y a pas de bombe. Ouh, attention, ok, ça a quand même fait du taf, il reste Tesla et double canon. Il n'y a plus de capa, il faudrait qu'il y ait des sorciers sur la réserve. Oh, il reste encore 2 PK, il y a moyen que ça passe, hein. Si les PK tankent la reine peut prendre les Tesla tranquille. Par contre, la réserve d'élixir peut être chiante au niveau du time. Je pense que ça va être tendu le perf là. Il y a un PK qui est mort. Après, la reine est toujours tankée. Hein. Tant qu'elle est encore en vie, c'est cool. Les sorciers vont mourir. Allez, le PK tank. Et là, il va pas tanker la dernière Tesla par contre. Oh! Ok, non, c'est bon, la reine elle a apporté de la réserve. Sans être sous le feu de la Tesla, c'est cool, c'est bon, ça va passer, ça va passer. Ça passe tous les jours, ok. Ouais, j'avais pas capté au début quand je pensais qu'elle était un peu plus loin, j'ai pas. Bref.
Heureusement qu'elle était. En vrai, de toute façon, je pense que la reine, elle aurait juste fait demi-tour, elle aurait tapé la réserve, ça serait passé aussi. Hein. Ou. La Witch, 8 sismiques. Ok, dernier hit, il va balek. Hein. En même temps, c'est une compo assez. assez courante, de ce que j'ai compris. C'est la compo un peu de facilité, hein, ça permet de cramer les sismiques. Qui sont pas forcément utiles sur d'autres compos. Ça permet du coup d'enlever les witches qui sont pas forcément non plus utiles. Et tu mets des golems avec éventuellement. Je crois que la dernière fois je crois qu'il y avait pas de golems. Si. Si, je crois qu'il y a toujours eu des golems et après c'est des hits en PK du coup et pas de golems. Ok, pour l'instant ça rentre. C'est dommage que le roi il soit pas rentré. Quoiqu'il vient de péter le mur donc il va rentrer. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est très dur de défendre, bah, de défendre la witch, hein, on va pas se le cacher. Et ça devrait perdre en vrai, hein, parce que la reine elle va jamais perdre la capa, les sorcières du centre elles vont jamais mourir. Et même celles qui sont sur l'extérieur, elles sont assez nombreuses. Donc ça doit pas être trop problématique. Ça doit passer. En plus ça va assez vite, hein, mine de rien. Il a éventré la base avec les sismiques, et puis après, bah, les sorcières ont fait le taf, hein, elles se baladent. Elles se baladent. Ok, bon, et bah. Je crois qu'on a notre premier gagnant. Hein. Ah ok, on est parti avec l'hippopotame. Ok, donc on en a. Ouh, AQH baby! Ça me plaît. Ça me plaît. Ok, donc Ren sur extracteur Sud. Le roi qui va funèle d'un côté, Baby qui va funèle de l'autre, elle est tombée sur les Tesla. Il y a un Baby qui va mourir, l'autre va pas s'enrager. C'est dommage, mais les Tesla devraient être quand même tombés. Open sismique pour permettre à la reine de rentrer. Ok, le poison qui a été déposé. Oula, par contre, le Baby qui est pas sous le poison. Et je crois que toutes les grilles n'étaient pas dans le rage non plus. Donc elle a pré-shot un peu le rage. Pour que la reine bah, gagne du temps en fait. Allez, la reine, ok, bon broche sur les guerriers, pas forcément gênant, mais des bébés un peu partout, c'est normal, c'est le principe. Ça me paraît compliqué, hein, je sais pas ce qu'elle a en CDC. Elle a un molosse. Ok, elle va perdre une guerrie. Oh, il y a une bombe noire sur l'entière. Et il y a une Tesla Corner, je sais pas si elle a vu. Une Tesla Corner à 3h. Ça me paraît compliqué, le perf là, elle a perdu quasi tout. Elle a plus de baby en fait. Si c'est bon, elle l'a vu, celle-là à 3h. Par contre, le baby va mourir sur l'entière. J'ai pas compris le choix du Molos là, peut-être pour. Enfin, je pense que c'était pour sauver ses guerriers, mais je pense pas que c'était le plan de base. Que la reine avait accès aux entières et tout. Bon. Bon, au moins, pas de regret. Hein. Pas de regret, au moins. De toute façon, c'était perdu.